Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, camarades AIMS, chers professeurs, amis étudiants, bonsoir. D'emblée, je tiens à vous dire que l'assistance record de cette année nous laisse présager d'une soirée grandiose. Et par conséquent, je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous accordez. J'ai le privilège aujourd'hui de vous présenter la revue du 150e anniversaire, qui vous fera, j'en suis sûr, passer des moments inoubliables et, soyons modestes, historiques. Grand récit d'aventure, au sens le plus noble du terme, le domaine des gueux est, comme disait André Malraux, la voie royale vers la vérité. Sans détour ni scrupule, nous avons transposé dans le temps des histoires vraies. Certes, un tantinet romancé pour qu'il n'y ait aucune ressemblance avec le présent. C'est pourquoi nous espérons que personne ne se reconnaîtra, bien que nous sachions, vous comme moi, que chacun croira fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Après 5 longues années de silence, nous allons chanter les gueux dont le domaine est la faculté. Nous allons crier, déclamer, haranguer les mots des AIMS qui, d'une modestie qui ne les étouffe pas, ont préféré garder l'anonymat. Moins discrets sont nos valeureux professeurs. Leur présence parmi nous ce soir est la plus grande preuve de leur humour légendaire. Merci à eux. Avant de vous laisser dévorer le domaine des gueux, voici 3 informations capitales. D'abord, dans le hall d'entrée du théâtre, seront mis en vente des souvenirs en tout genre, à des prix, il va sans dire, très bourgeois. Lors des entr'actes, les bars du théâtre sont à votre disposition pour vous rafraîchir. Je vous rappelle qu'il n'est pas interdit de payer impôts aux étudiants. Enfin, ultime information, et pas la moindre, c'est qu'immédiatement après la fin de la représentation, et j'insiste sur l'immédiatement, nous vous donnons rendez-vous à tous à la Cité Estudiantine Boulevard Dolé, où une exposition photo ouvrira ses portes. Au même endroit, la bière du 150e anniversaire coulera à flot. Et des collations seront servies jusqu'au petit matin. C'est donc là qu'aura lieu le rassemblement de notre grande famille. Par conséquent, rendez-vous donc et donnez à tous à la cité pour le verre de l'amitié. Fut le théâtre d'événements que l'histoire
avare sans doute de relater un passé si glorieux à oublier. À cette époque, existait un petit royaume où régnait un roi du nom de Balandeux, mieux connu sous le nom de roi René Grimil. L'histoire retint surtout l'anecdote cocasse selon laquelle il prit le pouvoir en détrônant son frère à coups de pont. Il y avait dans ce royaume cette fièvre qui regroupait des chevaliers, tous moins courageux les uns que les autres. Ce royaume s'appelait le domaine des queues et était destiné à devenir un jour l'école des mimes. Mais ceci est une autre histoire. Cette ère médiévale était vraiment une époque barbare. Tout était prétexte à guerroyer, mais la guerre finissait toujours par rétablir la paix. Or, un jour que la morosité s'installa dans le royaume, mais laissez-nous vous conter cet épisode de la grande saga de ces chevaliers. Thank you.
c'est le premier pour voir sa peinte. Ouais, les barges. Ah, et ça fait 12 ans que ça dure, hein, avec cette dynastie de Gigomard. Ah. Oui, les Barbançon, je vous avais pas vu. Jean-Marie, c'est le bon. Sa Majesté le Roi. Repos. Repos. Mon cher boucher, vous entrez dans vos nouvelles fonctions de doyen du château. Je vois avec grand plaisir que vous avez décidé d'apprendre une fois pour toutes à parler notre belle langue. Mais oui, donc bien sûr, votre majesté, évidemment faire des dons ou ne pas donc, enfin si vous voulez tout à fait absolument faire des dons, telle est donc ne plus qu'une fois la question, votre majesté. Votre Majesté, ne trouvez-vous pas que donc, enfin, si vous voulez, tout à fait absolument, donc, ça sent la mer d'ici? Oui, j'ai l'impression que nous serons une fois de plus de l'arbre. Don Bernardo, salut à toi et bienvenue au domaine des dieux. As-tu fait bonne pêche? Mes hommages, Votre Majesté. Salut, boucher, hein, tout va bien malin. Comme vous pouvez le voir, Votre Majesté, vous savez, faut bien s'occuper, hein. Eh oui, mon bon Don Bernardo, tout le monde sait que le domaine des dieux, là, hein. J'en ai profité également, Majesté, pour vous apporter la nouvelle version de mon cours de mécanique des fluides. Cette nouvelle version s'intitulera « La mort sort du robinet » ou « Où faut-il euthanasier les buveurs d'eau plate ?» Salut la compagnie. Tchao. Quelle soif. De jubilé, mieux que moi le cité, vous sert de cette loge. Hein? Vous savez, c'est un coup fourré. Moi, Goya, je n'aurai jamais accepté ça. Enfin, oh, le vieux Jean-Marie, pêche-toi là. Hey. Tiens. Tiens, Boucher. Connais-tu le comble pour ce daltonien avec le aumônier, hein? Oui, évidemment, donc, non. Eh bien, faire tout pour devenir gris en buvant du rouge dans un verre. Mais enfin, mesdemoiselles, ce n'est pas encore l'heure de l'interruption, n'est-ce pas? Mon cher Dandichotte, je ne vois pas ce qui les attire le plus en toi. Ce n'est certainement pas ton coup de queue, à moins que ce ne soit tes boules. Oh, pardon. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles, n'est-ce pas? Salut, Jacqueline. Salut, Jacqueline. Une pinte, Ulysse. Elle passe par un échangeur, ou un... Tiens, Meunier. Arche, Meunier. Ah! Thermicien et érudit. Néanmoins, mes salutations distinguées, roi Bonémile. Nous ne t'avions pas aperçu. Excuse, c'est arrivé intempestive. Inopiné plutôt. Allez, Hector, mets une tournée. C'est bien vrai, René Émile. Notre bon ami, le chevalier Hector, va nous offrir ses airs. Blague! Il ne manquerait plus que ça. Mais enfin, soyons sérieux. Comment osez-vous me demander de payer une tournée? Moi qui suis président du fief qui rapporte le plus dans ce royaume. Ah. Et je ne vous parle que de la partie la plus intéressante du fief de mécanique. Oh, vous n'êtes pas sans savoir que ces deux oies de le roi Eviseur
travaillent à leur compte depuis qu'ils ont pris, il y a belle lurette, un statut d'indépendance en ce royaume. Enfin, allez Uli, mets des chopes à l'aide, monsieur. Et envoie Jean-Marie chercher des biscuits et un chocolat chaud au distributeur. Pour Dangui. Mais je n'ai pas encore l'heure, n'est-ce pas, pour le chocolat chaud. Je prendrai donc une bière. Jean-Marie, nettoyez un petit peu la salle. C'est une véritable porcherie ici. Mais... Venez, Émile. Gageons que nous parlerons encore du dragon ce soir, n'est-ce pas? En effet, c'est pour cette raison que je vous ai fait mander. Ah! Désolé, mais c'est plus fort que moi. J'ai horreur des grosseurs. Allez, Hector, dis-nous plutôt le courrier. Un pneumatique de ce brave Michel Krapp. Oh. Retenu par un engagement antérieur, stop. Oh. Désolé de ne pouvoir être des vôtres aujourd'hui, stop. Oh. Serai au bar de la cité après la revue. Ah. Eh bien, nous y comptons bien, hein. Vous envoie mon frère, Raymond Krapp, en remplacement. Oh. Oh. Elle commence bien cette revue, hein. Encore une ou deux nouvelles comme celle-là, et il n'y aura bientôt plus personne dans la salle, hein. Continuez, je vous dis, Hector. Encore quelques excuses. Ah non! Une lettre pour Don Bernardo. Ah. D'une polonaise. Voilà un mot de Théodore Douart. Il vous remet son bonjour. Il vous remet son bonjour. Il est toujours occupé à la relecture de sa grande encyclopédie en 69 volumes. Jacobs effectue un séminaire dans un monastère afin de méditer sur l'œuvre de son maître, Arménie. Il nous annonce qu'il a fait une conférence où il a essayé, en vain, d'expliquer au moine la règle du tire-bouchon. Il ajoute que cette conférence est très mal terminée, mais qu'en regagnant péniblement son lit, il a découvert la règle des trois orteils du pied droit. Ah, un envoi de Lausanne. Mais, c'est une boîte? Une boîte vide. Tiens, tiens. Comme c'est curieux et amusant, non? Ça, c'est un crime de lèche, Majesté. Oh. Encore un bonjour, de Claude Bimenier cette fois. Il n'a toujours pas changé de nom, celui-là. Hein. Le reste ne constitue que des factures impayées. Et vos diverses commissions, comme d'habitude. Je me sens informe aujourd'hui. J'ai torturé deux, trois vilains fossiles sur mes axonaux et plans rabattus. Et Daoust, fils, t'es connu à mes pieds? Oui, chef. Tu n'ayais d'ouvrage? Oui, chef. Mais mis jeune revue, adouci, tu vas y foutre le brin, bon Dieu. Allez, retourne à notre bureau. Oui, chef. Allez. Ma table de torture pour Panou. Oui, Hector. Et j'en ai confié la réalisation au maréchal Ferrand, puisqu'il faut des clous. Ouais. Il est vrai, n'est-ce pas, que Clément Caquet a l'habitude des épines à force de porter la rose au poing, n'est-ce pas? Torsion, flexion. L'attention monte. Torsion, flassard, flexion. Torsion.
Flexion. Flexion. Torsion. Flexion. Des pressions malgré mes contraintes. Hein. Tiens, voilà le pétomane. Hein. L'homme qui pète plus vite que son nom. Hector, on croit qu'il ne faut pas regarder la paille dans l'œil de son voisin lorsqu'on a une poutre dans le sien, encastré. Mesdames, messieurs, chevaliers et mécréants, je suis en mesure de braquer sur les tréfonds obscurs d'une histoire encore ténébreuse le rayon flamboyant d'éclaircissement lumineux qui jettera, j'ose le dire, une clarté nouvelle dans la balance opaque de vos connaissances. Il y a en ce royaume une bête, une force destructrice incommensurable qui nargue nos circuits intégrés. Car c'est un fait sur lequel il faudra collecter notre attention. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce guignol ? Eh bien, elle vous informe qu'il y a un dragon dans ce royaume. Ah, chouette, Vladila. Dites donc, vous deux, vous retardez d'une revue ? Tous pour moi, et moi pour moi. Hé, hey Raymond, t'as pas encore compris, bien sûr, que la revue se passe au Moyen-Âge, hein ? En effet, voyez-vous, on est moyenâgeux ou on ne l'est pas, n'est-ce pas ?
À partir de maintenant, appelez-moi Aramis. Mes respects, votre majesté. Je prie mille manes que poil vous transisse le tort. Quant à vous autres, vous n'avez rien. Monsieur Crabbe, je vous prie, prenez une bière et joignez-vous à nous. Votre majesté, tant que nous sommes entre nous, dites-nous les motifs de ce conseil extraordinaire. Oui, René Émile, venons en fête, n'est-ce pas? En effet, chevalier, j'ai convoqué la table ronde. Mais pas que la table qui soit ronde ici. Je reprends. J'ai donc convoqué cette table ronde pour trouver une solution finale à ce fouteur de brin de dragon et à son calme. Casier Jupiner, hein, t'as un seul nom dans les quêtes. Oui, dit Barbançon, encore un jeu de mots si mauvais et vous sortez. J'ai même été jusqu'à faire mander le baron le roi. Vous haïr en ce moment, c'est vous dire que la situation est vraiment désespérée que pour en arriver à de telles extrémités. En effet, parce que si on veut résoudre un problème, on peut le laisser où il est, celui-là. Hein? Mais non, Hector. Le baron le roi, voyez-vous, est un véritable expert en enjeux de guerre, n'est-ce pas? Il se fait passer pour un expert. Il n'y a pas que lui, Hector. Tiens, le roi est aux Zaïre. C'est étonnant, hein? On n'est quand même pas à la période des TF. Monsieur Bouquenou, je vous en prie. Veuillez parler français, n'est-ce pas? Sinon, nous ne nous comprendrons plus, voyez-vous. Messieurs, je vous remercie chaleureusement pour la confiance que vous m'avez accordée. Confiance? Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous m'avez élu roi dans une période difficile, mais... Soyez assurés que je mettrai tout en œuvre pour ne pas vous décevoir et vous montrer que vous avez choisi l'optimisme dans le réalisme, l'enthousiasme dans la lucidité. En tout cas, c'est sûr, vous avez souhaité le changement. Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur Bouquenio? Ah, écoutez, Valence, cette fois-ci, je ne veux plus me faire avoir. Alors, j'anticipe. Et j'entame un maiden speech intitulé « Tout ce que je dirais, si on me laisse parler ». Je sens un peu de pile au mur, il a qu'une brique. Et veuillez dire à Boucher de faire le mortier, n'est-ce pas? Sécurité, sécurité. Élémentaire, mon cher Valence. À part ça, Blondel, à quand le prix Nobel? Ah, ça, Hector, vu sous cette optique, n'est-ce pas? Tu fais vibrer de mes fibres les plus sensibles, hein, plus sensibles. Et comment ça va, père d'Alenfant? Tu trouves ça comique, Hector? Shut up.
Milieu de route. Maître Brasseur, une bière, s'il vous plaît. Allez, 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 allez vous abreuver à l'écurie. Il y aura des points et des diplômes. Et je ne veux pas vous revoir tant que vous ne serez pas ministre. Sire, permettez-moi de vous présenter mes plus humbles respects. Je te rappelle, Henri, qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Hé, hey, le roi des cons, si tu me cherches. Et lui, Baron le roi, nous ne sommes pas ici chez les sauvages, n'est-ce pas? Je vous prierai donc de respecter l'étiquette, voyez-vous. Alors, je me trouvais dans la forêt tropicale.
J'ai reçu par hirondelle africaine votre message écrit à l'encre antipathique. Et je suis venu avec mon 4x4 à suspension, pas nous, ma pique. C'est bouleversant, n'est-ce pas, mon ami? Tout ça pour découvrir ma salle d'armes de l'IMA sans dessus-dessous. Encore certainement un coup de cet enculé d'écuyer de viseur. Mais, cher comte, monsieur le roi, viseur n'était-il pas donc, enfin, si vous voulez, tout à fait absolument votre, enfin, donc, associé dans le fief de, donc, destruction des machines? Et non, Boucher, je suis le chef incontesté et incontestable des conques, je te le dis, moi, de ce fief. Viseur n'arrivant pas à ma hauteur, il ne peut donc être qu'écuyer et de ce fait ne peut porter l'armure. D'ailleurs, elle coûterait bien trop cher. Tant il faudrait de métal pour entourer une telle masse. On a bien dormi, hein, Paquet, à la réunion du parti. Demandé une table de torture pour Hector. De voir l'état des fers, hein? Ben, tu verrais la gueule de mon poney. On dirait la tête de Pilate quand il fait passer les examens de ce grand candy. Il a le même sourire béat. Alors tu comprends si c'est grave? Oui. Et à part ça, mon petit bougard, la famille, comment ça va? Oh, très bien, très bien. La petite dernière, tu connais Julie? Oui, là, la petite chope, là. Oui, elle nous fait une rougeole. Bah, c'est très bon signe pour son avenir, tu sais, main de cœur. Bienvenue, camarades. Mais je vous en prie, débarrassez-vous de vos instruments de travail. Ah, jamais, Majesté, jamais. Je vois des formations professionnelles. Merci d'être parmi nous ce soir et d'avoir bien accepté de perdre votre temps. Oh, combien précieux! Ne vous faites pas de soucis, votre majesté. Nous avons l'habitude de nous accouler continuellement douce en métallurgie. Vous comprendrez aisément que je ne me sens guère dépaysé. Boucher, le fief de métallurgie, ça existe toujours, ça? Allez voir. Donc, en fait, Majesté, si vous voulez, le décret est donc, en fait, tout à fait absolument encore donc en vigueur, si je puis m'exprimer clairement de la sorte. Ouais. Boucher, sont-ce les élections? Ouais. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Encore une extra-balle. Je flippe. Mais enfin, Hector, ce sont mes boules, voyez-vous. Hé, Dandy, si c'était les tiennes, tu n'aurais rien dit extra. Au lieu de vous amuser, venez plutôt vous joindre à nous. Mais, Bougard, votre collègue Pilate n'est pas venu avec vous? Eh non, il n'est pas là. Et pourtant, il a fait des pieds et des mains, et surtout son nez, pour être ici, hein. Et ne regardez pas comme ça, vous voudriez pas que j'aille le chercher quand même? Oh, oh, oh. Et Bougard, t'es pas triste. Mais oui, enfin, donc, si vous voulez, Blondel a raison. Enfin, nous ne voulons donc surtout pas donc enfin du tout le voir parmi nous. Qu'il reste enfin tout à fait absolument donc à la maison. On veut juste donc savoir, si je puis m'exprimer ainsi, comment tu as pu faire, ne fût-ce qu'une fois donc pour t'en débarrasser. Ouais, te l'avoue.
bienvenue en Borbicitaine chez Jadot. C'est bien plus simple que cela. Il était occupé à expliquer à son fils comment faire pour passer une bleusaille hyper cool. Bleusaille hyper cool. Oh, Blondel, arrête de te marrer comme une baleine. Hein. Il faut n'y tomber dans les ses contraires non plus. Tout le monde sait que t'empêchas de fils de rentrer le soir. Tu n'éteignais complètement bourré, hein. Ouais. Enfin, donc, s'il vous plaît, laissez donc tout à fait absolument vos bougas pas s'exprimer. Et alors, hein? Et alors, j'ai sauté sur mon poney et je me suis enfui au galop sous les tables du labo. Eh oui, donc, bien sûr, évidemment, le roi, mais Paquet, il lui offre donc, si tu veux, des roses, tandis que toi, ou plutôt donc, Viseur et toi, ce sont des amanites phalloïdes. Hein? Mais enfin, Jean-Marie, ce n'est pourtant pas lundi, voyez-vous. J'ai parfois l'impression qu'on me considère ici comme un vieux meuble, n'est-ce pas? Ne m'en parlez pas, chevalier d'Anguichotte. La semaine dernière, j'ai été malade. Eh bien, croyez-le ou non, ils ont fait venir l'ébéniste. À mon avis, vous deviez avoir des airs, n'est-ce pas? Sacristi, qu'est-ce que tu fous ici? Je l'ai vu. Viseur, explique-toi. Qui a foutu le bras dans ma salle d'armes? Je l'ai vu. Mais enfin, cher ami, expliquez-vous, n'est-ce pas? Qu'avez-vous donc vu? J'ai vu l'homme. Mais quel homme, Viseur? Oh, quel enfoiré, Viseur! Mais l'homme qui a vu le dragon. Viseur. Mais alors? Mais qui a vu le dragon? Moi, je l'ai vu, mon petit. Oh, c'est le master Rubens. Moi, Rambo, alias Sylvester Rubens. Des chevaliers, alors que j'effectuais une mission sondage dans les marches lointaines de l'IMC au sujet de ma notoriété et de celle des licenciés de l'ULB et sur leur aptitude à accéder à un poste à haute responsabilité. Statistiquement nu, n'est-ce pas, cher? À la limite. Ouais, Roubaix, à la limite. Ah, donc il confirme le théorème de. Allez, d'abord une pinte au Rambo. Volontiers, mon cher. Volontiers, mon cher Willy, parce qu'après avoir fréquenté tous ces trous de cul de bruxellois qui ne boivent que du petit lait. Et Jean-Marie, pédale plus vite, mon ami. La mousse retombe trop rapidement, n'est-ce pas? N'est-il pas, plaît-il, et toutes ces choses? Mais, sire, que signifie donc ce tas de cadavres mis en rond à l'entrée du château? Oh, cela n'est rien. C'est certainement ça qui a encore interrogé quelques manants qui brossaient. Majesté, vous parlez sans doute du cercle de mort. Vous savez, ce sable n'est jamais dans la norme, c'est encore un de ses écarts-types. Eh bien, mon petit rouronnet, à part ça, que devenez-vous? On vous voit de moins en moins souvent dans les ruines du château. Eh bien, alors là, je ne suis pas mécontent de moi. Car vous n'êtes pas sans savoir que j'ai trouvé un nouveau débouché dans le cabinet de monsieur le ministre Verhofstadt. Ouais! Au service extérieur!
un peu de calme, là. Chevalier, je dois vous entretenir d'un grave problème. Comme vous le savez, depuis un certain temps déjà, notre royaume est hanté par un dragon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a détruit notre pont de Weston, qu'il a bouffé les cailloux d'Alphon. Charlet vous confirmerait que des coups de grisou de plus en plus fréquents sont à déplorer dans nos mines. Il commence vraiment à me pomper l'air, ce dragon. Et sur toi, mon frère. Des rumeurs en métallurgie font état que Madame Jacob Dulière aurait été violentée. D'aucuns prétendent, de mauvaise langue, qu'elle ne s'en porterait pas plus mal d'ailleurs. D'autant plus que la principale intéressée refuse toujours de porter plainte. Si j'aurais su, j'aurais pas mieux, hein. Et je tiens à rajouter que les châteaux d'eau du royaume s'effondrent un à un, car cette enflure de dragon pisse dessus. Et ça, comme par hasard, il pisse uniquement sur ce que t'as fait construire, hein, fils. Le dragon devrait être considéré d'intérêt public. Ouais. Tous nos fiefs doivent faire face à des mesures dragoniennes. Les étudiants, n'est-ce pas, préfèrent aller à la chasse aux dragons plutôt que d'assister à mes cours, voyez-vous. D'où pensez-vous que viennent ces ronflements chaque fois que l'on passe devant la porte de viseur? Willy, que bien pour le moment occupé à étudier le vol des canettes de bière au-dessus de la plaine de Limy, s'occupe, mais alors là s'occupe, oh combien activement, des caves du château. Il va vous expliquer son problème. Allez-y, bon. Willy. Personne. La requête, hein. La requête. Hier soir, en vente bolot chez l'ado, hein. Ben, je faisais la volonté des fûts de bière, comme tous les jours. Eh ben, il y en a un qui était en moitié vide, hein. Ouais. Et moi, j'en connais un qui est toujours en moitié plein. Cool, hein. Chevalier, reconnaissons que trop, c'est trop. Ouais. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Messieurs les chevaliers, la fraternité et l'esprit d'entraide entre les différents fiefs de ce royaume n'étant en certes pas un vain mot, nous avons pensé, moi-même et mes collègues, surtout moi-même, nous avons pensé qu'il fallait que vous agissiez. Thank you.
bien, chevalier, nous devrons résoudre notre problème seul. Ouais. Ce bon Saint-Georges est bien trop occupé avec son luxon que pour s'occuper de notre dragon. En foutant le brin partout. Seul un chevalier intrépide s'opposera à lui pour voler sa liqueur magique qui fera de lui un nouveau roi. C'est la liqueur du Rut Abaga. Ouais, écoute le verre, hein. Si c'est pour venir raconter des couillonnades ici, moi si j'aurais pas venu, hein. Votre Majesté, cette prophétie est extraite du vénérable almanach du Grand Guival, édition revue et corrigée par Ouzo de Leuet, loi des institutions universitaires après Val-Duchesse. Chevalier, nous avons retrouvé la parole du Grand Guival. Il faut nous y soumettre. Le chevalier qui réalisera cette prophétie règnera en ce royaume à ma place. Oui, Charlet, imagine que ce soit toi qui réussisses. Et alors, le verre. Eh bien, ce pays, ce serait le pays de Charlet, roi. Pays de Charlet, roi, c'est le pays de Charlet, roi. Oui, c'est le roi.
plus, tes conneries me font marrer. Par moments, je me demande vraiment ce qui me retient de ne pas te foutre à la porte. Si je ne m'écoutais pas... Ben, déjà que personne ne vous écoute, faudrait déjà vous écouter. Majesté, j'ai la solution à tous vos problèmes. Et qu'est-ce qu'un nabo comme toi peut y comprendre mes problèmes? C'est qu'avant d'arriver dans votre beau royaume, Majesté, j'ai beaucoup voyagé. Je sais que tes origines sont douteuses, hideuses choses. Oui, et j'ai rencontré une machine fabuleuse qui pourrait résoudre tous vos problèmes. Je l'ai d'ailleurs ramené ici. C'est un VAC 785. En résumé, une grosse bécane. Avec plein de bites. Mais la mienne est bien plus grosse que celle des Jean-Marie. Je ne sais pas à quoi elle sert. Je sais seulement qu'elle est toujours saturée. Et où elle est cette machine merveilleuse? Il est un gnome. Là, sur le côté. Venez ici. Je vais vous la montrer. Je... Carton, c'est une plaisanterie, hein. Admirez ma nouvelle machine, si! Qu'est-ce que j'ai atteint? Une nouvelle machine? Il faut la baptiser alors! Willy! Ce n'est plus à être baptisé! Ramène Blondel avec qui on va se parler! Et qui doit mettre ses... Allez. Non, non! Vous ne toucherez jamais à ce que tu veux de ma machine! Dans respect du monde!
dégoûtant. Même de temps, quand j'étais col fédé, on leur faisait nier bouffer de pareilles saloperies pas d'Al Rally Café. Et quand j'étais derrière d'Alpha Clou au but, hein, nom de Dieu, carton, fils! On plaisantait, hein? Cette saloperie l'a bouffée! On savait bien qu'elle finirait par voir sa peau un jour. Mais. D'Alphon. C'était pas un mauvais goût. Chevalier, jurez sur le livre sacré du grand Guibal que vous ne révélerez pas ce qui vient de se produire. Par deviner, nous le jurons. Hé, Bordeaux, ah, ça doit le faire, elle fait un mouture chez Nadeau. Ah, la plus d'ambiance, elle est sur. On se croirait au coup de leur roi. Hein? N'a d'ailleurs ni plus de monde à ce cours que d'où je suis, hein? Allez. C'est ça, Willy. Fermez votre bar. Jean-Marie. Oui. Vous nettoierez la salle demain matin pour la cérémonie d'inauguration de cette machine. Bien, votre majesté. Ah, machine, que je me sens impuissant. Impuissant face à la situation. Comprenons-nous bien. Ah, machine, tu vas m'aider à redresser ma... À redresser mes finances. Attendez au moins que j'ai fini mes phrases. Et à me débarrasser de tous ces étudiants guindailleurs. Et puis, je commence à en avoir marre cette histoire. Allez, venez tous avec moi, on va boire une pinte au bar. Revenons plutôt à nos moutons, si j'ose dire. Ah, chers voisins.
joie que de vous rencontrer au détour de cette délicieuse centre rurale. Il est vrai que le régal que constitue cette rencontre peut s'expliquer de la plus simple des manières. N'est-ce pas à vous, en effet, que je dois de connaître la joie de naviguer sur l'océan de la culture à bord de la caravelle de l'intelligence raffinée? N'est-ce pas vous qui m'encouragez à fournir le douloureux mais combien profitable effort qui me permet un beau jour de jongler avec telle ou telle locution? Dites, n'est-ce pas à vous? C'est pour moi un souvenir empreint d'une douce tendresse que celui de ce jour où, maniant enfin avec une habileté sans pareille notre belle langue, par l'intermédiaire de celle se trouvant dans ma cavité buccale, je pus enfin glisser au cou de nos conversations des petits mots de tous les jours, tels que triglyphe, zoïde ou jujuge. Oh, combien grand est le bonheur de pouvoir, dans sa langue maternelle, accrocher les mots les uns derrière les autres, tels de petits wagonnets formant en bout de phrase le train de l'esprit, véhicule lancé à toute vitesse sur les rails de la satisfaction personnelle. Les bouchées doubles, hein. En face, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, donc, si vous voulez, je dois donc vous dire que... Tout à fait, absolument, il doit donc surtout, en fait, a priori, s'agir d'une absence. Et je dois donc, si vous voulez, je vous prie donc d'accepter tout à fait, enfin, si vous l'acceptez, donc, mes excuses, si je puis m'exprimer clairement de la sorte. Je me demande, n'est-ce pas, à quoi cette machine peut bien servir? Sa structure ne ressemble en rien à mes boules, voyez-vous? Mais oui, monsieur d'Anguichot. On ne connaît que trop des boules, hein, fils. Bon, personne. Vous m'entendez? Ouais, je le prends, hein. Ouais, on se met seul, hein. Merci, la vieux. Ouais. T'as distribué de ma part. Astuce, on met une dune dans la strade. Et comme ça, au hasard, on tape dans le temps. Willy, je suis au gré de vous décevoir, mais ceci n'est certes pas un distributeur à part. De bien, et je suis en pleine possession de mes moyens. Hein. Oui, alors, t'as sur moi. C'est le meilleur mythe pour apprendre à reconnaître un distributeur au buffet d'un gars. Hein. C'est bien vrai, Willy. Dans la vie, il faut être observateur, n'est-ce pas? Moi-même, dans mon fief, j'organise des séances de laboratoire, voyez-vous, où l'on illustre par des observations des choses fort intéressantes, n'est-ce pas? Il faut avoir appris au moins une fois dans la vie de toucher un chevalier. Avec des petites boules, vous composez des empilements en couches successives. Voyez-vous, de diverses compacités, avec des bouts de ficelle de différentes couleurs, des réseaux. Vous participez activement, n'est-ce pas, à la recherche de mailles primitives, de formes nouvelles, qui sont autant de propriétés remarquables. Oui, vous ! Mais oui, monsieur Tanguy. On les connaît, les impératifs de la formation du jeune chevalier. En fait, cet appareil est une machine qui sait tout. Je tiens alors à faire remarquer, sire, que cette machine fait double emploi avec ma modeste personne. Oh.
machine, on peut compter sur elle, hein. Qui brûle d'impatience de la questionner. Allez-y, allez-y. Est-ce que, à l'avenir, je porterai toujours à gauche? Monsieur Paquet, je vous en prie, des charmantes épouses et des ravissantes demoiselles, nous écoutons, gardons notre dignité. Regardez ça, une porte à faux, lui. Monsieur, je vous rassure, chez vous c'est de naissance, et sans parti pris, je vois votre avenir en rose. Puis-je, à mon tour, poser une question? Dans ce royaume, qui apprécie le roi? Au vu de données douteuses, tout le monde. Dans ce royaume, je suis sollicité tout de même. Le roi passé, le roi par là. Ça va, plein autre chose. Quand il y a une affiche, tu te faire dessiner par tes dessinateurs une paire d'essuie-glaces pour tes lunettes, s'ils sont assez compétents pour le faire. Tu
Le doc se jette à mes pieds et s'accroche à mes chevilles délicates tout en me mordillant les orteils. Et il se laisse ainsi traîner jusqu'à ce qu'il soit mort d'épuisement. Quand je croise un de mes collègues, croyez-le si vous le voulez. Non. Mais il me salue. Non, ça devient impossible. Pourquoi tant de bonté? Ouais, c'est pas. De plus, j'aurais pas voulu que cette revue s'appelle À poil et moule. Bon, ben, fils, c'est Nietzsche qu'on parle là. C'est du roi René Émile. Mais oui, donc bien sûr, évidemment. Enfin, le roi, ce n'est donc pas de toi que l'on parle, puis évidemment, donc personne ne t'aime ici du tout. Enfin, donc, allons, mes chers collègues, ils ne hein, est-ce que donc quelqu'un apprécie le roi ici? Non. Merci. Ce que vous me dites me fait beaucoup de bien. Bon, merci. Je dirais donc que si tu veux, c'est donc a priori bien donc la moindre des choses. Notre dragon est-il plus bête que le roi, hein, et plus gras que viseur? Don Bernardo, je vous prierai de peser vos mots. Et Bernardo, t'exagères, hein? Non, il n'exagère pas du tout, que du contraire. Vous voyez que cette machine est une véritable merveille. Voyez tous, braves gens, docs et sages assemblés, belles dames, nobles sires, voyez-moi, peuple aimé. Je suis jeune, il est vrai, mais aux êtres bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Contre vents et marées, je me suis élevé. Face à l'adversité, je me suis démené. Durant ces 8 années, voyez mon dur labeur. Mais qu'il est exaltant le métier de recteur. Tâche ingrate s'il en est, je ne suis guère aimé. Avare de mes deniers, nul subside m'est donné. Aux étudiants râleurs, je dis très clairement, tas d'infâmes buveurs, tout il est pour ballant. Ce pactole convoité, point ne les gaspiller. Avec clairvoyance et pour la postérité, pour vous, j'ai acheté un temple du savoir. Voulez-vous avec moi faire l'amour ce soir? Avec fougue, aimez-moi, incroyable coït, vaite de mes désirs, un octet, c'est 8 bits. Admirable machine, oh, belle électronique, tes circuits intégrés, tes pistes magnétiques, et ton bras, et ta jambe, et ta cuisse, et ta sœur. Poli comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passant devant mes yeux clairvoyants et sereins, et ton ventre et tes reins, ces grappes de ma bine, s'avançant plus câlin que les anges du mal. Je déconne tout à fait. Avec toi, c'est fatal. Ennemi, sans relâche de la crasse ignorance, machine, dis-moi qui taira cette engeance. Et horrible animal, qui nous nargue, qui nous moque, dragon, car à ta queue, tu vas chier dans ton froc. Le vengeur attendu, le tueur du dragon, le champion triomphant, le voilà, nous l'avons. L'infaillible machine a parlé. Car voici le héros, l'homme élu, c'est Blondeau. Mon repos, mon bonheur en vain s'était enfui. La machine me montre notre superbe étui. J'enferme ma couronne. Un peu de calme. La machine me montre notre superbe étui. Je le vois, je rougis, je pâlis à sa vue.
Un trouble s'élève dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps effumé et brûlé. Tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille, et s'il n'en restait qu'un, il serait celui-là. Voyez battre sa queue à nul autre pareil, et son bras, et sa jambe, et sa cuisse, et son corps, et son ventre et ses reins. Tiens, encore. Doué comme pas un, les succès il cumule. Possesseur d'un superbe jardin, il encule, tipse enfin les fleurs. De la terre un enfant, ses fruits il fait jaillir en de bouquets charmants. Aimant avec passion son épouse, il laboure de vastes étendues. Voilà, maintenant je sais qu'il s'aime avec humour. Les femmes en sont folles. Et la plupart le suspectent d'être un temple, pas seulement un phallus. C'est une crème d'homme qui a su faire son beurre. Ce n'est pas du petit lait, Blondeau, c'est une terreur. Notre sort est entre les mains de Blondeau. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ça
Ça, tu peux pas faire, hein, mon petit. Henri, messieurs, rendons-nous à l'évidence, nous sommes perdus. Mettre Henri dans cette affaire relève de l'inconscience. Autant mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. C'est du suicide. Ouais, si j'aurais su, j'aurais pas mieux, hein. Sien, je me meurs. Oh. Ben, fais autre chose maintenant. Hé, hey, y a-t-il un docteur dans la salle? Allez, vite apporter un docteur, mon Dieu, hein. Allez, dépêche-toi. Majesté, votre immensité, votre énormité, que vous est-il arrivé? Je me demande quel est le malade dans l'affaire, hein? Bon, ça y est, vieux, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, bon. Oui. Je diagnostique une morsure de vipère. Oh, messieurs, l'heure est grave. Je viens d'effectuer un sondage express sur la personne du roi. Et il est plus probable que notre roi René-Émile soit plus mort que vivant. C'est une hypothèse vraie contre une hypothèse fausse. J'espère que vous en avez pesé le risque de première espèce, bête. Ah, votre sérénité... Hé, fils, tu vas arrêter ton cirque, ouais? Il est mort, hein? Par bien. Mesdames, messieurs, Gaétan Libère doit vous quitter. Oui, la fine fleur de la Polytechnique, celle-là même qui dirigera immanquablement la faculté dans un proche avenir, se doit à l'écriture d'un ouvrage intitulé « Gaétan aujourd'hui, orageux demain ». L'assistanat, c'est bien. Le rectorat, c'est mieux. Ouvrage qui fera référence. Je suis volontaire à passer.
que n'arrivera le village un jour. Vous savez, mon petit, la médecine a fait d'énormes progrès, mais il n'y a guère d'espoir. Notre roi Balan II, n'est-ce pas, occupait la poule position. C'est pas étonnant qu'il soit devenu une omelette. Oh. Et qu'il est bête, ça. Une fois de plus, le proverbe populaire se vérifie. Jamais deux, sans roi. Oh. Enfin, donc, si vous voulez, le roi donc est tout à fait absolument mort. Qu'allons-nous, a priori, donc, devenir? Oui, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ah, camarades, voilà qui pleure bon les élections. Il faut dès lors que l'on se mette à l'eau. Désignons un nouveau roi. Que ceux qui sont volontaires pour cette noble tâche fassent un pas en avant. Oui, nous sommes enfin débarrassés de cet enfoiré de René Émile. Mais dès lors, qui va nous promettre de rétablir la confiance? Qui va nous promettre de nous débarrasser du dragon? Qui va nous promettre de trouver les finances pour la gestion du domaine et toutes ces choses? Félicitations. Bravo. Bravo. Venez ici, c'est un petit éclair, en chocolat bien sûr. Voyez-vous, je me l'étais réservé pour l'interruption, mais le roi est mort. Vive le roi, n'est-ce pas? Je tue à vous dire, si le roi était vraiment mort. Mon cher Boccagnon, vous voilà promu au roi de... Cher Bougard, je voudrais que vous parliez français, n'est-ce pas? Sinon, nous ne comprendrons plus. Ah ben ça, dans quel merdier je me suis fourré. Et ma femme? Que va dire ma femme? Chevalier, chevalier, pour nous remettre de toutes ces émotions, je vous ai préparé un peu de cuvée magique du 150e. Ah! Pinson! Pinson! Plus c'est bien que mes effets sont permanents chez toi, depuis que tu étais médecin, quand tu étais petit. Messieurs, messieurs, je vous invite à prendre un verre à la taverne du château. Ah! Chevalier Jean Guichotte et Chevalier Bougard, vous deux, restez ici. Pour garder la dépouille de notre regretté roi. À vos ordres, sire. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites? On vous suit, majesté. Mais non, vous dis-je, vous restez ici. Enfin, Gangui, vous m'avez bien compris, oui. Bougard. Voyons, majesté. Pas de problème, sire. Eh bien, c'est très bien. Mais, votre majesté, et si le dragon vient? Eh bien, Bougard, vous défendez le pâté de maison, mais vous ne bougez pas d'ici. Enfin, Bougard, c'est pas compliqué tout de même. Ça ira, Dangui. Ouais. Et, Majesté, si nous devons rentrer pour faire pleurer Gracieuse, n'est-ce pas? Écoutez, Dangui. Vous allez pisser où vous voulez, mais vous ne bougez pas d'ici. Enfin quoi, avec des zigotos pareils, ça promet pour la suite de mon mandat. Mais votre majesté, pisser, pisser, c'est bien beau tout ça, mannequin, mais les gens dans la salle, ils vont voir mon kiki. Et
Écoutez-moi bien, Bougard. Il peut arriver n'importe quoi à votre petit Kiki. Vous ne bougez pas d'ici. Enfin, c'est pas croyable. Ok, Dangui. Ok. D'accord, sire. Ouf. Un instant plus et je craquais. Heureusement, ce cucus de l'hiberne n'y a vu que du feu. Mon plan a marché à merveille. S'ils pouvaient savoir comme je m'en balance de leur royaume, je vais enfin essayer d'y piger quelque chose dans l'électrothèque. Et puis, aujourd'hui, comme c'est mon jour de chance, je vais jouer au loto. Je coche proche et il décroche. Commission anti-dragon. De là viendra une commission de gestion de la commission d'aide à la commission anti-dragon. Et finalement, une commission pour... Dites le vert, ça n'a pas l'air de vous intéresser tellement, ce dragon. Hein? Quoi? Il est déjà 17h30. Et alors, le vert, on fait son petit Grégoire, hein? Vous allez voir qu'il va encore nous demander de repeindre les radiateurs, ce jeune freluquet de Boucognot là. Bien sûr, monsieur Sartre. Et bien plus, vous verrez. Enfin, messieurs, j'attends de vous un dévouement sans faille que d'aucuns appelleraient bénévolat volontaire. À moi, donner des coups de main, ça me fatigue. Vous verrez, monsieur Sartre, mes coups de pied vont vous donner du tonus. Enfin, messieurs, réveillons le dragon qui sommeille en nous. Serez-vous avec moi dans cette aventure? Oui. Mais monsieur Dandy, votre épée n'est pas pointue. Il est vrai, n'est-ce pas, quand il concerne les domaines de pointe, hein, s'il fallait vous attendre. Blondin, j'aimerais que tu ne laisses pas traîner partout tes fibres optiques qui commencent à irriter sérieusement mes fibres nerveuses. Dites-moi, monsieur, est-il déjà arrivé de penser qu'être prof impliquait l'obligation de donner un cours et non quelque chose de semblable? Ouais. Blondel, t'es même pas capable de reconnaître quelqu'un de compétent, même quand tu l'as en face de toi. J'ai un nez comme tout le monde, tu sais, fils. À propos, Raymond, qu'est-ce que ça fait de constituer la branche pourrie d'un arbre généalogique sur lequel n'a fleuri que des héros et des types couverts de diplômes? Et quand j'y pense, hein, c'est quand même un comble. On aurait au moins pu confier le problème des fibres optiques à une lumière. Non, mais des fois, Aramis, pourquoi pas Zorro dans ton livre? Thank you.
messieurs, je sais qu'il y a de l'électricité dans l'air, mais de grâce, cessons-là ces querelles ancestrales. Enfin, il n'y a pas de quoi en faire des pylônes. Et d'ailleurs, j'attends beaucoup de votre part à tous les deux. Et n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Enfin, messieurs, creusons-nous un peu, que diable. Je vais creuser vos trous. C'est ça, Charlet. Creusez, mon ami, creusez. Votre Majesté, mes recherches sur les panneaux solaires, les panneaux solaires ont enfin abouti. J'aimerais alors les expérimenter sur un sujet humain. Ah, très bien, Bougard, mais soyez un peu plus clair. Ben voilà, les oreilles de levain, ça serait parfaitement l'affaire. Tout à fait d'accord, mais quel est le rapport avec notre affaire? Je ne sais pas, je tenais simplement à faire remarquer qu'on ne parlait pas assez de moi dans cette revue. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que dans le projet Aramis, un élevage de puces savantes a été étudié. Nous pourrions peut-être en balancer quelques-unes aux dragons. Vous demanderez aux étudiants qui ont fait un TFE chez moi, je veux dire, un travail de fin d'élevage, comme ils se sont grattés pour réussir. Moi je dis ça comme ça, hein. Mais si on l'invitait dans une centrale atomique, un accident peut si vite arriver. Dans une centrale à quoi? Ah, une centrale à commis. Tu veux sans doute parler du conseil de direction. Et abrutir le dragon en lui faisant entendre quelques mégatonnes de conneries. Mais elle ne viendra jamais, hein. Autant l'inviter à une conférence de la IMS Mons. Là, au moins, on est sûr qu'il sera bon sandwich. Dans une première analyse des composantes principales de ce problème, la solution optimale, comme il se doit, pourra être découverte par la recherche critique du chemin qui nous mènera à lui. En théorie, un jeu d'enfant, mais en pratique, nous devrions recourir à des sciences exactes telles que mathématiques, programmation, etc. Dès lors, je propose qu'on envoie en mission une patrouille de Medjiai afin de rendre cette recherche opérationnelle. Ce ne sera pas nécessaire, n'est-ce pas? En effet, il suffit de lire sur la sphère ardoisée, voyez-vous, l'endroit où le dragon se trouve. Jean-Marie, écrit-il, veuillez m'apporter ma sphère ardoisée, mon ami. Cette sphère m'a encore permis récemment de découvrir. Merci Jean-Marie. De rien. De découvrir le mur des latrinations, voyez-vous, non loin d'ailleurs, des écuries du boulevard Dolé. Bien voilà, nous avons un axe L2 alterne, n'est-ce pas, qui, comme son nom l'indique, possède une... Mais, chevalier, je viens de localiser le dragon, n'est-ce pas? Il est d'ailleurs tout près d'ici. J'arrive. De toute façon, messieurs, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Sartre, je vous rappelle que nous ne sommes pas au conseil de direction. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol, hein, de se bérer toujours pendu à nos bastes. Et puis, si vous êtes si malin, qu'est-ce que vous avez à proposer, vous? Eh bien, j'aimerais que nous redressions un peu le niveau de cette revue. Je suggère une érection. Mais oh, Marcel, arrête ton chat, hein. Mais non, l'érection d'une statue. D'une statue représentant la tête de notre regretté roi, Balan II. Avec une tête pareille, le dragon n'osera plus jamais mettre les pieds ici. Es-tu sûr que tu ne parles pas de ta propre tête, Marcel? Mon chien aurait sa tête, hein. Je lui raserai les fesses et j'apprendrai à marcher reculant, hein. Mais je ne vois rien de bandant dans l'histoire. Monsieur Sabre, d'accord, il faut nous débarrasser du dragon. Mais tout de même, hein, nous ne sommes pas des monstres. Chevalier, je viens de découvrir la pierre cristallographique. Cette pierre aux propriétés si remarquables, n'est-ce pas? Des décennies que je cherche, voyez-vous. Des années de dur labeur sont enfin récompensées. J'ai même été jusqu'à accepter de travailler sur du papier cul phosphorescent, n'est-ce pas?
afin de pouvoir poursuivre mes recherches, voyez-vous. Montre un peu ça, Fleu. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Un cristallophanus! Un quoi? Un cristallophanus fossilisé! Dans Ok, on en a trouvé un! Cet animal, vous rendez compte? Un fossile vivant de l'ère Obézène! Ah! Si Robazinski pouvait y jeter un œil! Oui, oui, regardez! On peut toujours y lire. Édition provisoire! Cet animal n'a jamais évolué en cours des siècles. Darwin l'avait prédit, tant qu'il le prouve. Imaginez, sire, un piège pour le dragon dans lequel il tombera. Tu vois, n'est-ce pas, c'est le bureau d'Elba. C'est un véritable guet-apens, ton bureau, Chris. Ça, tu peux pas faire, hein, mon petit. Car si la borne de Rock Hammer est atteinte, c'est-à-dire ton estimateur efficace, ce serait Willy qui tomberait dans ton guet-apens, ce qui est une certitude en soi. Et dans cette affaire, ce serait Willy qui serait biaisé. Ouais, si j'aurais su, j'aurais pas voulu, hein. Et si on suivait les traces du dragon? Qu'en penses-tu, Henri, toi qui es le plus compétent dans le domaine des bêtes à cornes? Ouais, Dieu. Mi, un bras, je m'y connais. Je peux même affirmer que je suis un expert. J'ai du flair, un nez, c'est un véritable brin alphatomètre. Adieu donc, Majesté. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Messieurs, j'ai trouvé un plan pour mettre fin à tous nos ennuis. Mais pour cela, j'ai besoin de vos compétences respectives. Vous verrez, ensemble, nous ferons de grandes choses. Suivez-moi, je vais vous expliquer.
Henri, ma femme n'est donc pas donc un corps donc catologiquement, si vous voulez, donc a priori visco donc élastique. Henri, qu'en pensez-vous? Ah là, mon cher boucher, tu as mis le doigt dessus, si j'ose dire. Ou plutôt un pita. J'hésite quand même. Hé, hey, le père, au lieu de regarder les gonzesses dans la salle, prenne une oreille attentive, un vieux. Qu'est-ce que t'as passe, monseigneur? J'en ai repéré une petite bien bandante au troisième rang. Oh, mais bon Dieu, fils, tu voyais qu'on achetait le brin d'ouci. Ta vie, mais je me sens mou. Mou, 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 mou. Si nous... Il faut canaliser. C'est du rêve de Bibette. Chers amis, n'est-ce pas? Nous devons procéder à des tests non destructifs, voyez-vous? De type ultra pornotropique, qui nous révéleront, j'en suis sûr, des propriétés remarquables, n'est-ce pas? Nous allons donc demander à Jean-Marie... Jean-Marie, plaît-il de venir prélever un échantillon statistiquement représentatif, n'est-ce pas? Oh. Mon cher boucher, croyez-vous que l'échantillon soit suffisant? Oh, ce n'est certes donc pas du tout un peintre transcendantal, mais... Allez, le nom de Dieu, Jean-Marie, dépêche-toi, vieux. Messieurs, 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 vous n'avez pas vu mon cours de structure des matériaux, édité aux éditions Massonnet Creux, en vente partout. Je l'ai égaré ce matin, ici. Je crains que cet ouvrage ne tombe entre des mains mal intentionnées. Ouvrage qui, n'ayons pas peur de le dire, fait autorité dans les milieux introvertis. Hein? Ben, je veux dire averti. Ah, ah! Que tu dis? Quoi, pardon, que tu dis? T'obstines à marcher sur la merde. Le CD paraît que ça porte bonheur, mais enfin. Ah, venez, nous allons de ce pas l'analyser dans mes laboratoires. VDP se fera un plaisir de mettre la main à la pâte. D'ailleurs, il met toujours son nez dans mes affaires. On va rigoler. Allez, venez. Dis ça, pendant qu'il touille. Surprenez cette partie d'échecs entamée en janvier. Ouais, tu sais bien qu'à ce jeu-là, tu peux pas le foire. Amateur. Enfin, messieurs, croyez-vous que ce soit le lieu et le moment pour vous adonner à votre sport favori? Est-ce que je peux jouer avec vous? Enfin, Bougard, tu sais bien qu'une partie d'échecs ne se joue qu'à deux. Qu'est-ce que tu racontes comme boulonnade, mon que nous, en thermodynamique, on joue à trois ou d'échecs, hein? Hector, si j'avance mon coup, je vous vois en échec. Eh ben moi, Marcel, si j'avance mon point, je te le fous dans la gueule. Bon, vous m'en allez là? Tous plus bien que les uns que les autres. Bon. Bon, c'est bon, tu peux t'être, hein? Bon. Dragon, égal, fou de toi, hein? Ouais. Bon. Plus. Plus, plus, plus. Bon, deux idées, hein? Et deux? Ben, on semble vite, hein? Alors, tête!
attention. Dragon, regarde tout le bras. Wow. Ouais. Pas aimé, déjà. Donc, tout voilà. Par l'absurde. Ouais, mais là, on prend le tas de guignol d'où là, on dérive d'un bras. C'est bien le coup, là, tout ça. C'est pas ça. C'est pour là. Ça coule. Ah, astuce. On se le donne, hein, et on se laisse aller. Hein. Et pas de vieille méthode. Hein. Bon, comme ça, on fout une gaz au dragon qui boit des pains. Et on la sauve avec le bâton. C'est QFD!
On me demande de vous prévenir que c'est fin du second acte. Hein? Alors, on se laisse aller et on va venir d'un côté au bas du théâtre. Hein? Allez. Ouais. Ouais. Sans cabure, comme étant dans le albert. Hein. Et, puisque t'en as filé, chapeau à feu. D'après ce que j'ai pu dire, t'as besoin de se situer à près de une théologie. Hein. Une tonne d'équivalent jupilaire. Par semaine, quand même. Hein. Et puis, il n'y a plus rien à boire ici. Hein. Du tout. Hein. On va aller dans les caves du château. Je vais coquer le brassin, mettre en fût. Là, on trouvera encore quelque chose à boire. Allez, viens. Vous voyez, quand nous nous y mettons tous, nous allons maintenant procéder à son inauguration, d'autant plus que l'AIB a approuvé notre invention. Tiens, l'Association des ingénieurs bruxellois a été sollicitée. Mais non, Bougard, l'AIB, c'est l'Association des infâmes bruns, société sœur de l'Association Macrot. La nature a des coups de foudre, comme moi, des coups de génie. Et Marseille, donc qu'est-ce qui t'arrive? Et on s'est enfin décidé à lui greffer une cervelle, celui-là. Mais non, imbécile, je me suis simplement cogné la tête contre le portique d'entrée. Chevalier, chevalier, nous sommes devant une application typique de CPAO. CPAO ? CPAO. Si notre ami Henri était là, il nous l'expliquerait via le port. Ah, nom de Dieu, bordel de merde ! Mon cher Bordeaux, je ne vous le fais pas dire. Ah, nom de Dieu ! Procéder à l'analyse complémentaire d'un brin, alors qu'un brin, puisqu'on le remue, puisqu'il s'amène. N'est-ce pas, Tanguy? C'est bien vrai.
et vouloir de surcroît le soumettre à une transformation adiabatique, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien malin, si je puis me permettre, voyez-vous. Surtout quand ça vous pète dans la gueule. Oh, le verre avec ses expériences, Millard. Mais l'espoir d'une nouvelle machine boulimique aux propriétés si remarquables, n'est-ce pas? C'est une application typique de CPAO. Conception de pierre assistée par ordinateur. Henri, notre ami Henri vient de s'évanouir. Messieurs, rendons-nous à l'évidence. Henri vient d'avoir une crise d'intelligence. Enfin, Meunier, qu'est-ce qui vous prend, enfin? Qu'est-ce qu'il y a de drôle à la situation? Faut comprendre, hein. Pauvre Henri, il n'a pas l'habitude. Jean-Marie, s'il vous plaît, apportez du jus de houblon pour notre ami Henri. Cela le réveillera. Je crois que nous avons retrouvé notre ami Henri. Ouais, si j'aurais su, j'aurais pas vu, hein. Enfin, messieurs, du calme. Voici la fin de nos mots. Si Willy était là pour boire deux, trois pains. Monsieur Bougard, vous qui êtes toujours dans la lune, que pensez-vous de notre Polytech One? Messieurs, si je puis me permettre une remarque intelligente. Ça t'arrive parfois, fils. Je ne me fie pas plus à cette navette qu'aux fondations des châteaux de sable. Feront après nous, cette machine ne peut revenir sur Terre. Le pilote ne servira donc qu'une fois. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Majesté, on ne va tout de même pas aller rechercher Grégoire sur son île déserte. De grâce, n'allons pas jusqu'à de telles extrémités. À propos de Grégoire, vous savez qu'il m'a proposé de le prendre après sa pension pour donner des cours supplémentaires. Et payer, bien sûr. Mais alors, Majesté, qui allons-nous envoyer? Oh, mais vous savez, notre faculté regorge encore de bon nombre de ces vieux professeurs tout à fait ordinaires. C'est impossible. Ce serait un défi à toutes les lois de la physique. Non, le pilote, c'est... C'est... Nous sommes tout ouïes, Majesté. À qui pensez-vous? Mais vous le connaissez tous très bien. J'attends d'ailleurs qu'il prenne sa pension pour supprimer définitivement cette chair qui n'a plus sa raison d'être. Et de plus, il nous faut quelqu'un, voyez-vous, qui n'ait pas peur d'avoir les boules. Le oui, Dangui. Cher Louis Dangui, mon cher Louis Dangui, vous seul avez l'étoffe
le courage nécessaire pour mener à bien une mission d'une si grande importance. Mais enfin, Majesté, expliquez-vous, voyez-vous. Eh bien, il s'agit d'un voyage dans un engin ultra moderne. Et comme votre cours colle parfaitement à l'actualité, vous n'aurez donc aucun problème à effectuer cette mission. D'autant plus, mon cher Dangui, que vous n'aurez rien à faire. Ce qui ne vous changera pas beaucoup de vos habitudes. Mais ne vous inquiétez pas, un pilote automatique vous tiendra compagnie. Allez, allouez ma mannequin, va t'habiller, hein, garçon, plus vite, hein. Ah, on a enfin trouvé un pigeon. Oh, mais vous savez, nous avons encore toute une panoplie d'oiseaux du même type. Mais même en plumet, ceux-là, ils sont dangereux, alors... Dis donc, Sam, donne-nous un coup de main, vieux. Monsieur Sam, c'est pas étonnant que vos châteaux d'eau s'écroulent. Si tu les conçois comme ça, fils, les mains dans les poches. Allez. Et dis, faites gaffe de main, hein. Tu sais que ce matériel a coûté plusieurs centaines de milliers d'écus. Et, Blanvel, as-tu remarqué ces gribouillis sur la navette? Où ça? Là. On dirait une chiure de mouche. Non, avant que ça ne soit pas mieux. Ah. Moi, je dis, mon petit, que c'est un SOS du service de dessin du fief de mécanique. Non, c'est une formule du cours de broche. Si tu veux, il y en a 250 pages. Et personne n'a jamais la compris. Encore un mystère qui restera sans réponse. Monsieur Saad, expliquez-nous donc votre collaboration. Je me demande ce qu'il va plus nous raconter, cet imbécile. Monsieur Bouquenio, j'aimerais bien que Blondeau ne me traite pas d'imbécile en face de vous. Oh, mais ne vous en faites pas, ça, je suis au courant, hein. Résistant du Moyen-Âge, ancien prisonnier du camp, dira-t-on, libéré sans caution, médaillé du double thé d'or... Monsieur Sartre, soyez plus bref, je vous en prie. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous sommes en présence d'une structure hyper-pornostatique à 69 degrés de liberté du type Kamasutratique. Petit exercice que nous nous sommes empressés, ce garnement de guirlement et moi-même, de poser à quelques étudiants qui ont été pétés de surcroît sans effort tranchant, si je dis. Ça, il me semble que vous pétez beaucoup des étudiants ces dernières années, hein. Péter ou être pété, il faut choisir. Si vous voyez ce que je veux dire, certains de mes collègues font passer maître de la discipline. Messieurs! Continuez, Don Bernardo, continuez. Vous commencez à m'intéresser.
D'autant plus que vous savez tous combien l'énergie me tient à cœur. Ben, comme la masse égale l'énergie. Imaginez le viseur et son potentiel énergétique. Ouais, mais le problème avec viseur, c'est le stockage. Et vous, Hector? H. Meunier. H. Thermicien et érudit. Ouais, ouais, ça va, Hector, on avait compris, hein. Tout le monde sait bien que tu rayonnes tellement dans les bâtiments thermiques, hein, vieux, qu'on y a même coupé le chauffage, hein. Moi, en tant que thermicien, mon intervention fut déterminante. Ça, tiens. Ouais. J'ai notamment conçu, réalisé, fabriqué la boîte noire de la navette qui, à n'en pas servir, à n'en pas douter, va servir, hein. L'isolation thermique de la navette, les différentes tuiles réfractaires, la casserole à pression. J'ai tout calculé. Le coefficient alpha, bêta, gamma, lambda. Mais oui, grand saut. Comme ça, si cette mission est un four ou si on tombe sur une tuile, on sera ça à cause de qui? Messieurs, Louis Tanguy. Mon cher Louis Tanguy, j'étais sûr que nous pouvions compter sur votre adresse, votre dynamisme pour sortir la faculté de ce pétrin. Le fil vert sur le bouton vert. Mais non, Hector, ce ne
sont pas des fils optiques, mais des fibres optiques que tu tiens en main, fils. D'ailleurs, quand on parle de fibres optiques, dans le monde entier, on pense opticable, Blondel et faculté polytechnique de Mons. Eh ben, place belle, Blondel. T'as pas tort, Hector. Que dalle, Berdal. Mais bon, on arrête de boire, là, parce que ça ne nous réussit pas. Hein. Messieurs, messieurs, de grâce, ne sombrons pas dans le gros vaudeville, style Blondeau, alors que notre faculté vit des instants préhistoriques. Chers amis, je vais profiter de cette brève interruption, voyez-vous, pour aller satisfaire un besoin bien personnel, n'est-ce pas? Mais, mesdames, mes demoiselles, mes deux, messieurs, étant donné les quiz constants et les molérants, les circonstants et le... Enfin, comme c'est pour la première fois que nous envoyons en l'air une navette, il faut faire attention. Merci, monsieur Berdal, merci. Nous vous remercions pour vos remarques pertinentes concernant la sécurité des spectateurs, mais nous avons pris toutes les dispositions pour éviter le moindre incident. Et maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons procéder à la mise à feu. Mais j'en laisse, Allez, Jacques à Est. Yeah.
Est-ce possible? Jeune homme,
L'école des mines prépare son corps professoral à toutes les situations possibles. La tradition remonte à 150 ans. C'est d'ailleurs en fonction de ces données que j'ai personnellement choisi les personnes les plus aptes à cette mission. Meunier, par exemple. Messieurs, gardons notre calme. Hein. Aïe, 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 j'aurais toujours éparpillé, moi. Hector, ne fléchissez pas. Appuyez-vous sur cette rotule plastique, elle supportera aisément votre charge nominale. Allez-y, Hector. Et... Je comprends pas le français. Bah, en tout cas, il retient une de couche limite. Comme il a envahi notre royaume, il est peut-être d'origine germanique, n'est-ce pas? On a déjà vu ça. Ouais. Mais, Blondel, vous connaissez l'allemand, vous? Bon. Ben moi, comme tout permissien de génie, c'est sûr, je pratique couramment l'allemand. Hein. Mein liebe Großdragon, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici dans cette revue? Par ici la bonne soupe, hein, Dieu? Hector, où est-ce que t'as appris l'allemand, toi? Je vais essayer à mon tour, n'est-ce pas? Bitte schön, Dragon. Darum, comme je dis, mettez votre grosse boule, n'est-ce pas? Ton feu l'un sur leur croûte, ne dis pas? Écoute, Louis, tu vois bien que ce dragon ne s'y connaît pas plus que toi en allemand, hein? Allez, rapplique! Fantasy Thomas! Que? Oui! Bah que? T'es le meilleur expédia d'ailleurs de dragon! Oui. Ah. Moi je savais bien que ce dragon était sympa et inoffensif! On ne s'est pas souvent vu à mon cours, c'est tout! Je l'ai pris pour un brosseur! J'étais à deux doigts de le péter quand même, hein! Bon, mais alors? Qui est responsable de tous nos brins? Je suis un Ah, hey, Guibal, sors de tes déguisements! Non, j'en veux plus quand même! Ah bon sang, mais on vous croyait mort depuis des décennies! Ouais, vous de... Mort de rire, hein, vous cagneux! En 150 ans, on en a vu des zigomars, hein! Mais comme vous, pour connaître. Ouais. Dommage que vous n'êtes pas dans le Michelin, parce que franchement, vous méritez le détour, hein! Ben, mais je ne comprends plus rien! J'ai quand même fait des coules de borin, ça, hein! Justement, mon cher confrère, deux fausses couilles! Reconnaissez que l'astuce est de taille! Ouais, mais tout ça ne nous dit pas ce que vous êtes venu faire ici. Hé, oh! Vous ne pensiez tout de même pas fêter le 150e anniversaire de la faculté sans nous, non? Tout de même! Oh! Soyez un peu raisonnable! Vous pouvez pas savoir ce qu'on se fait chier à la rue de Houdin, hein? Puis on en a profité pour rigoler un petit coup! Bon, allez quoi, les gars? Sans rancune, hein? Allez, viens, débilé! Pour se faire pardonner, on va chercher des pâtes au bar! Ah! Messieurs, messieurs! Puisque nous avons retrouvé les fondateurs de notre illustre faculté, pourquoi n'organiserions-nous pas un banquet en leur honneur? Cette histoire n'aura en définitive que peu de retombées sur notre glorieux passé. Enfin, je l'espère. Et après tout, tout est bien qui finit bien. Si j'aurais su, j'aurais venu. Ah. Mon cher Boucher, voyez-vous toutes ces étoiles dans le ciel? Eh bien, la petite là-bas, qui brille plus que les autres. Savez-vous qu'elle est apparue il y a 150 ans? Eh bien, croyez-moi,
Elle n'est pas encore prête de s'éteindre. Yeah.
les décors de Danny Viesley. La mise en scène, Daniel Brun.